alaikum. Nous sommes dans la formation concernant l'assainissement, précisément dans l'assainissement du bâtiment et d'habitation. Donc, on va commencer par une petite généralité pour savoir l'objectif de l'assainissement. Alors, le but de l'assainissement consiste à recueillir et à évacuer le plus rapidement possible, sans stagnation, les eaux polluées, sans pollution de l'air, d'intérieur, du bâtiment et du milieu récepteur. Alors, l'objectif de l'assainissement est de نجمعوا الماء اللي خصو يخرج من الباتيمون، بحال الماء اللي كيخرج من التواليت، الماء اللي كيخرج من الدوش، الماء اللي كيخرج من الكويزين، et après l'évacuer sont et évacué au niveau de l'extérieur du bâtiment et après ما يجيش هنا واحد ستاغناسيون يبقى مجموع في واحد البلاصه ويتلوث ولا ما يخرجش الريحه. Donc, c'est un comme objectif. L'air à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est d'abord l'objectif de l'assainissement. Alors, tu as la question numéro 2. Quels sont les types des eaux à évacuer? Je ne vois le mal qui sort du bâtiment. Donc, premièrement, il y a l'eau usée. L'eau usée, ce sont les eaux qui, ayant servi à un usage quelconque, sont envoyées en dehors de l'habitation. Il comprend l'eau vanne, l'eau ménagère. L'ovan, c'est l'eau qui sort de la toilette, effluents provenant des cabinets d'essence. Ok, les eaux ménagères, ou qui sort de la cuisine, de la douche. Voilà. Donc, l'eau ménagère, effluents constitués des eaux de cuisine, de toilette, de lessive. L'ensemble des ovans et les eaux ménagères sont dites aux eaux domestiques. Donc, on les surcharge. Le type numéro 2 est l'eau pluviale. Il provient des pluies et des neiges. Ils sont recueillis en surface par les toits. Donc, tu prends toiture, stach, et après, l'évacuation vers l'extérieur. Il y a deux types d'assainissement. L'assainissement urbain et l'assainissement autonome. L'assainissement urbain est le film Majal Hadari. يعني كتكون الدولة دوزات ليك لي غو ولي ريزو ديكستيريور كتبقى انت كدير غير كوليكتي يعني انت غير كتربط ما بين لو ريزو ديالك ديال الباتشيمون مع لو ريزو ديكستيريور. لا سيسمو اوتونوم، لا اوتونوم هو اللي كتكون انت في واحد المجال قروي ما عندكش لي غو بيبليك، سو كيف خصك انت دير واحد لا سيسمو. داك المغرب دار قانون كيمنع انك دير انك تخوي الماء اللي كيخرج من الطواليت ولا من الدوش ولا من الباتيمون جينيرالمون افون لو تريتمون، ما عندكش الحق. سو كي في قبل انت ما تخرج الماء خصك دير ليه ان سيغتان تريتمون افون دو لو ريجيتي دون لو ميليو ناتوريل. الوغ لا سيانس مون دو تيب ليربين اي لوتونوم لي زون كوليكتي او بي دو باتيمون او نيفو دي روكار دو فاساد سون ايفاكيي فير لو ريزو دو سيانس مون اربين كي بو اتر سوا. Le réseau d'assainissement urbain fait deux types. L'assainissement ou là le majel fait deux types. Il y a le système unitaire, il y a le système séparatif. Le système unitaire, ça veut dire que tout est légal. Il y a un le traitement. Dans le système du collecteur unitaire, les eaux pluviales et les eaux usées sont évacuées par une seule et même conduite qui se déverse à son tour dans tout l'égout municipal pour le traitement de Bethel. Dans certains cas, les eaux fécales doivent d'abord être traitées dans un ou bien dans une fosse septique. Yani, avant de le rejeter dans le milieu naturel, il faut faire un certain traitement pour traiter l'eau usée. Alors, le deuxième type, c'est le système séparatif. Dans le système séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées sont évacuées par des conduites sur terrain séparé. Yani quand je mets l'ma van pohdo, l'eau domestique pohdo, ou quand je mets l'eau de pluie pohdo. Séparé se déversant ensuite dans des gosses séparées. De plus en plus souvent, les eaux fécales doivent préalablement être traitées dans un fosse septique. Donc, par exemple, là, l'eau
لو بليفيال هو لو روغار ديالو غادي يجي لهنا في هذا لو روغار. ابخي لهنا هنا خصنا نديرو روغار بور لو شونجمون دو ديريكسيون. ابخي غادي يجي عندنا هنا روغار عندنا لو ايزي شوف غادي يجي من شي اليمون. هنا عندنا لو فان هنا عندنا لو بليفيال دونك كلهم كيتجمعوا في ان سوليغو ان سول كوندويت بور ايفاكيي لو ايزي اي لو بليفيال دون ان سوليغو بيبليك هو هذا توت اليغو. دونك هذا ممكن نسميه سيستيم سيستيم يونيتير. علاش عندنا ان سول ايغو او بيان عندنا توت اليغو يعني كاع لون اللي كيخرج من الباتيمون توت لي تيب ديال لون يل فا ايفاكي بار ان سول كوندويت. سا فو دير حتى التريتمون غادي يكون صعيب لان غيجي واحد الكميه تاع الماء كثيره ماشي بحال الفرق ديال الماء تشتا بوحدو و لو ايزي بوحدو. حيت لو بليفير غيكون عنده واحد التريتمون قليل بارابور لو ايزي غيحتاج واحد التريتمون كتير. هنا ليكزومبل نيميرو 2 ليكزومبل نيميرو 2 بور ان سيستيم سيباراتيف لي في دو ريزون il y a un donc le premier raison c'est pour les eaux pluviales. Voilà, nous avons l'eau pluviale. Il y a un égo public pour l'égo pluvial. Nous avons l'eau usée. Il confie l'eau van, l'eau domicile, l'eau toilette, l'eau douche, l'eau de la cuisine. Donc, tout le radiogé un seul réseau dans l'égo de l'eau usée et l'eau van. Donc, dans le système séparatif, il y a deux types de réseaux. Réseau pour l'égo pluvial et un réseau pour l'égo de l'eau usée et le van. Le traitement de l'eau il sera facile par l'eau pluviale. Il nécessite un facile traitement par rapport à l'eau usée et le van qui nécessite un traitement difficile un peu. Donc, c'est un système séparatif. Non, je fais l'égo pluvial. Donc, l'égo pluvial, il nécessite pas aucun traitement. Non, l'ovan. Donc, on déroule un fou sceptique pour traiter un peu l'eau. Pour traiter un peu l'eau domestique et le vin ou bien l'eau aisée et après on va le rejeter dans un égout pluvial. Hadi kan dirou f l'autonom يعني مثلا عندك ان فيلا ودرتيها في واحد المجال قروي وما عندكش ليغو بيبليك دونك ما كاينش كيفاش تربط ما عندكش الحق باش تخوي ديريكتومون الماء في ليغو بيبليك في لو ميليو ناتشورال الوغ il faut faire un certain traitement. L'eau pluviale ne m'intéresse pas, mais le traitement. Donc, je peux le rejeter dans le milieu naturel facilement. Mais l'eau usée, non. Avant de le rejeter dans le milieu naturel, il faut faire un certain traitement. Donc, on a besoin de le traitement de l'eau usée. On va créer le fosse septique. Ou de le fosse septique, on va dire un certain traitement de l'eau usée. Et après, je peux le rejeter dans le milieu naturel. On va répondre à la question qui fait que tu amènes le fosse septique. Ou qui fait que tu amènes le traitement. On va voir ça sur ce chapitre. Donc, le fosse septique plus l'eau pluviale. Là, c'est mon ton nom. Donc pour les raisons unitaires, tu connais maintenant l'eau ménagère, l'eau van et l'eau pluie, tout l'homme qui trouve un système de unitaire. Donc tu mets le mécanisme un seul réseau, il va évacuer à l'usine de traitement pour traiter l'eau et après je peux le rejeter dans le milieu naturel. Mais pour le deuxième type, c'est le système de réseaux séparatifs. Il y a deux types de réseaux. Le premier sert pour les eaux pluviales et le deuxième c'est pour l'eau usée. Le traitement sera facile. L'eau radicale de l'eau pluviale est simple chouïa et l'eau van à l'eau ménagère nécessite un certain traitement.
Donc pour l'oraison individuelle, l'eau pluviale, je peux le rejeter dans le milieu naturel, et mais l'eau vanne et l'eau ménagère, je dois créer un fosse septique pour le traiter, et après je peux le verser dans le milieu naturel. Les réseaux d'évacuation intérieure. Donc non, les questions, les gens sur le Gmail ou les gens sur le WhatsApp. Ou que nous dressons la dimensionnement des liaisons, soit des réseaux de l'intérieur, soit des réseaux de l'extérieur. On va sur essayer pour faire l'information dans les dimensionnements. Donc, il n'est pratiquement pas la séance à dire, parce qu'on va sur la théorie. Alors, ce réseau évacue les eaux domestiques depuis les divers appareils sanitaires jusqu'au rocard de façade. Il est composé successivement de siphons. Je n'ai pas siphon. Siphon, c'est un dispositif obturateur hydraulique, yani qui placé à la sortie de tout l'appareil, qui empêche la communication de l'air vicié des égouts et de canalisation avec l'air du local. Je me habiter sans gêner pour cela l'évacuation des liquides et des matières. Il doit présenter une garde longue, hauteur d'eau tenue dans réservée dans le siphon d'au moins 5 cm. Donc le siphon Weda, l'obturateur hydraulique, c'est qu'on a une chute de ma bain à l'appareil ou de climat ma l'inclinaison hédic. Il garde l'eau pour empêcher l'air rouge l'appareil. Donc, on a dans le sens de l'évacuation. Donc, on va dans le sens d'évacuation. L'obturateur hydraulique, il garde un 50 mm de l'eau ici pour empêcher l'air. Donc, on a mieux le siphon. Vous avez les questions du siphon. Voilà, on a le schéma de le siphon. Maintenant, on chauffe les appareils. Donc, on a l'obturateur hydraulique ou bien les siphons tubulaires. On a une quantité d'eau pour empêcher l'air. On a le siphon de les bouteilles. On a dit pratiquement qui fait ce que nous le siphon. Collecteur d'appareils. Ce sont des canalisations d'allure horizontale recueillant les eaux usées et les eaux vannes et raccordant les différents appareils sanitaires ou tuyaux de chute. Donc, les collecteurs des appareils. Les collecteurs et les appareils, ce sont des conduites d'allure horizontale recueillant les eaux usées mais les eaux vannes et raccordant les différents appareils sanitaires ou tuyaux de chute. Les colonnes de chute, tu connais verticales, tuyaux de chute. C'est la canalisation verticale qui recueille les eaux usées en provenant des différents appareils, des différents étages, dont le nombre dépend de la disposition des plombs et des débits à évacuer. Les tuyaux de chute ou des sangs en système unitaire, les eaux usées et les eaux vannes sont regroupées dans une même chute et en système séparatif dans lequel les eaux usées et les eaux vannes sont évacuées séparément. Des sangs des eaux pluviales. C'est la canalisation verticale qui recueille les eaux pluviales en provenance des toits. Il est placé soit à l'extérieur, qui est au niveau de l'extérieur, ou à l'intérieur du bâtiment. Donc, on a les eaux pluviales. Maintenant, les collecteurs principaux. Les collecteurs principaux. Ce sont des conduites d'allure horizontale collectant les différents chutes et descendants d'un bâtiment pour les conduire à l'égout public. Les regards du bâtiment, mais l'égout public. On a c'est le schéma.
Donc, on a les branchements dans les WC, on a les chutes dans les ovans, on a les descentes dans les eaux ménagères, on a les petites évacuations, on a les raccordements. Voilà les billets de chute. Maintenant, on a les collecteurs, le voilà, et d'écoute. C'est ce qu'on nous dit le 45. Tu as vu l'autre chanter qui s'appelle les coordinates. Donc, national les codes, ce schéma-là. Donc, on a dit je vais faire les ventilations. Il y a deux types de ventilation. Il y a la ventilation primaire, il y a la ventilation secondaire. La ventilation primaire, il y a un colon de chute ou où tu connais un don, un prolongement, tel toiture. Mais je dois l'aération, mais je ne fais ce rien. Au secondaire, où tu connais un don, où tu connais raccordé, mais la ventilation primaire. Tu connais un don prolongement, où il y a un don raccordé, mais la ventilation primaire. Donc, on a des chutes d'essence, ou bien des conduites verticales, on a des descentes d'eau ménagère, on a des ventilations primaires. On a des descentes d'eau pluviale, parce qu'on sépare, mais on a des raccordements. Les connecteurs, les appareils, tu connais horizontal, numéro 2. Au niveau de la fondation, on a des regards et on a des collecteurs principaux. Le collecteur principal est raccordé avec le goût public, avec l'assainissement urbain, de la majorité. Donc, c'est un schéma qui présente les principes de l'évacuation. Évacuation par double chute. Donc, on a des sons d'eau usée ou tu connais un autre type de sons de plafond de vent. Les sons de un traitement de l'eau usée, les gémelles douche ou les gémelles cuisine, un difficile traitement par rapport au vent. Le mal qui rejoint la toilette, tu connais pas ce traitement qui fait les déchets organiques. Mais l'eau usée, les déchets rejoint douche ou une toilette ou une douche ou une cuisine. Tu connais difficile un peu de traitement. Tu connais fait javel, tu connais fait shampoing, tu connais fait donc les produits chimiques. Alors ça aide pas de les traitements ou tu y donnes même l'eau. Donc on a des collecteurs horizontaux ou bien des conduites horizontales mais des conduites verticales. Tu as la ventilation primaire, tu as la ventilation secondaire, tu as le raccordement avec l'égout public. On a évacuation par chute unique. Avec ventilation secondaire, tu connais un ou où il va collecter, il va évacuer toute l'eau, soit de l'eau vent, soit de l'eau usée. On a une ventilation secondaire. Donc, on présente aussi deux derniers raccordements d'appareil. C'est une ventilation secondaire, une colonne de ventilation secondaire, car il est raccordé avec une ventilation primaire. On a un raccordement. Le collecteur principal car il est raccordé avec un égout public. C'est une ventilation de les égouts mais la ventilation primaire. Maintenant, on a l'évacuation par chute unique avec culotte spéciale. Tu as les travaux du bâtiment. Donc, on a une seule colonne. Il va collecter toute l'eau, soit l'eau usée, soit l'eau vent, soit l'eau de cuisine. Ou tu connais des calottes spéciales pour les chutes uniques. Ou comme ça, tu connais des collecteurs principaux vers le goût public. Quelle est la ventilation primaire? Quel est le siphon? Les collecteurs d'appareils? Les calottes simples 45 ou bien minimum les codes? Le tampon de visite? Les ventilations secondaires raccordées avec la ventilation primaire et les collecteurs principaux vers l'égout public. Voilà un schéma qui représente les siphons. Tu connais 36 mm de long pour comme obturateur hydraulique. Tu connais des collecteurs d'appareils.
en même temps. Les collecteurs d'appareils, ils vont collecter l'appareil d'IANA, soit le lavabo, soit le douche ou là, avec un collecteur principal, bien une colonne de sheet. Donc, une semi-home colonne de sheet. Maintenant, vont utiliser son primaire, les tuyaux de sheet, voilà, pour les descendre de l'eau pluviale. Ils mettent ça dès que c'est séparé. On manque un rapport avec les haja. Tu connais des tuyaux de sheet, ou des descendre de l'eau ici, maintenant les ovales. Donc, le collecteur principal, tu peux raccorder vers l'égout public. La constitution d'un réseau d'évacuation d'intérieur. Un autre schéma, donc on a de la ventilation, la ventilation primaire, car elle est prolongée vers la terrasse. On a de la vidange, donc il est raccordé avec le colon de chute, ou bien la ventilation. On a de la chute ou le collecteur principal, car il est raccordé avec l'égout public. On a maintenant des collecteurs. Constitution d'un réseau d'évacuation intérieur. Le système de ventilation. Inch'Allah, les types ou les composants de l'assainissement de bâtiment. On va inch'Allah détailler les calculs concernant la formation de l'assainissement de bâtiment. À l'intérieur du dimensionnement. Soit au niveau de l'intérieur, soit au niveau de l'extérieur du bâtiment. Merci.